Pas bouger, pas toucher. Stop, tu vas à côté de lui. Tu vas le caresser en disant coucher, pas bouger. Pas bouger, pas Marcello. Toucher. C'est bien, Angie. Pas bouger. Ok, redonne-moi. Tu retournes et tu mets à côté de lui militaire et t'attends. Côté gauche, parti. Putain, mais hey, tu dresses mon chien par moi. Jamais tu arrives à oh, ok. Il y a avec tous. Ah. T'es obligé. Mais il faut savoir comprendre la l'autre personne pour que ça fonctionne. C'est exactement comme les chiens. C'est pour ça que j'arrive à comprendre l'être humain. C'est parti, est-ce qu'il est castré ton chien? Oui. Okay. Pourquoi il est castré? Parce qu'on m'a dit que ça aidera à le canaliser. Ok. Donc je l'invite à regarder mon article que j'invite à tout le monde de lire. Je suis contre la castration abusive et pour moi ça c'est une castration abusive parce qu'on a castré le chien sous prétexte que ça allait le calmer. Résultat des comptes, elle peut te le confirmer. Katia, est-ce que ça a calmé ton chien? Non. Ne castrez pas vos chiens quand vous avez un chien d'hyperactivité, un chien mordeur, un chien agressif. Scientifiquement, on ne peut pas aujourd'hui prouver que castrer un chien va le rendre calme. Et bien, vous recevez votre diplôme. Et d'ailleurs, vous vous autoproclamez dresseur de chien. Et comme Katia, aujourd'hui présente, qui est venue de... La région parisienne. La région parisienne de Parisienne, encore une parisienne. Elle a perdu beaucoup de temps, beaucoup d'argent, parce qu'elle a fait tout en tant que propriétaire de chien. Donc, je ne peux pas lui en vouloir, parce qu'elle a fait les démarches d'aller voir des professionnels. Donc... Tu viens d'assister aux tests d'évaluation 1 et 2, et tu n'as pas fait encore le 3 avec les congénères. Quelles sont tes impressions par rapport à ce que tu viens de voir? Je suis bouche bée. Et mais encore. Franchement, mais ça me fait très peur parce que j'ai vu déjà Lexus avec la réaction similaire au bout d'un mois de visite de quelqu'un. Alors, journée intense, je suis fatiguée, je suis morte. Mon chien, pareil, il dort. Mais c'était une belle journée, je pense que on a réussi. Pas bouger. Assis. Tout de suite, assis, pas bouger. Test d'évaluation numéro 3, je vais me servir des chiens régulateurs et formateurs avec l'assistance de plusieurs toutous. C'est bien, Lexus. Pas bouger, pas toucher. Bien. Ok. Écoute. Si t'étais autoritaire et leader, il t'aurait jamais mordu ton chien. C'est tout. C'est tout. Voilà. Peu importe la situation, peu importe le truc, ton chien t'a mordu. Dès lors où ton chien te mord, c'est qu'il te respecte plus. Lexus au pied. Lexus au pied. Les filles. Doucement, doucement, faut pas qu'il tire, pas doucement. Une fois que vous aurez acheté mon livre, n'oubliez pas de me faire parvenir la photo de votre chien avec le coffret collector Le chien de vous à lui et votre photo sera partagée à travers tous mes réseaux. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne.